Eh bien, bonjour à tous, c'est Docteur Horse. Aujourd'hui, on se retrouve sur Arc pour un nouvel épisode en compagnie de Minotti, Salut. qui sera là en arrière-plan de toute manière, puisqu'il va, il va préparer une prochaine expédition que j'avais déjà un petit peu parlé lors du dernier épisode. Donc, lors de cet épisode, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir toutes les armes restantes qu'on n'a pas encore vues et quelques petits trucs en plus. Notamment, là, vous voyez, j'ai un petit viseur sur le fusil de chasse en fait qui a été rajouté. Vous voyez, hop, hop. Ça c'est assez sympa déjà pour viser, ça fait vraiment c'est vraiment fusil du chasseur là, c'est hop, fusil de chasse, hop. Vous voyez, sur le parasaur. L'avantage c'est que même s'il va loin, je continue de le toucher, vous voyez. Et là ça fait vraiment ouais, c'est chasseur quoi. Donc ça j'aime bien déjà. Donc c'est vraiment un fusil que je continue d'affectionner malgré qu'on en ait de nouveau. Mais ce qui nous intéresse, ça va être les nouvelles armes. Donc déjà il y a celui-ci qui est un pistolet. Hop, donc ça c'est un pistolet. Comment il s'appelle celui-là? Je me souviens plus. Fabricated, ok. Et donc, celui-là, on l'a un petit peu testé. Alors je vous le dis d'ores et déjà, il est moyen. Ce que j'aime bien par contre, vous allez voir, je fais exprès d'aller là-bas, c'est qu'on lui a rajouté une torche. Et l'avantage pour les grottes notamment, c'est qu'avec cette torche, on y voit bien avec le pistolet. Et quand on court, ça continue de regarder à peu près devant. Donc c'est assez sympa. Par contre, au niveau des dégâts que ça fait, c'est assez moyen. Vous allez voir, on peut tirer soit. Bien sûr, balle par balle, toujours. Soit, on peut bien flotter avec, vous voyez. Le problème, c'est qu'il y a certaines balles qui risquent de partir un peu n'importe où. Donc, par exemple, sur un triceratops, regardez. 2, 3, 4. Alors, il y a une fumée aussi, on n'y voit rien. 5, 6, 7. 8, ouais, je peux le faire comme ça aussi. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13. Ça c'est l'avantage d'avoir une crosshair aussi, c'est que y a pas forcément besoin de scoper à chaque fois. Et donc on peut bouger plus facilement. J'aime bien aussi tout le sang qui se met sur la tête et tout. Mais bon, c'est comme toutes les armes à feu, mais c'est pas mal fait quoi. Voilà, donc en gros il faut deux chargeurs pour tuer un triceratops. Donc pas très rentable. Par contre ça a une bonne durée de vie en fait. Pour casser le pistolet il faut vraiment du temps. Comparé aux autres armes, j'ai remarqué, en tout cas pour celles qu'on avait. Donc ça déjà c'est un bon point aussi, mais bon voilà. Plutôt moyen le pistolet, je pense que c'est plutôt une arme à utiliser contre d'autres joueurs. Donc voilà, voilà, ce sera beaucoup mieux contre les joueurs quand vous êtes en PVP ou quoi. Au moins vous êtes rapide avec et tout, et enfin voilà, c'est peut-être plus facile pour viser, c'est bien, c'est à courte distance et tout. Mais voilà, ça fait pas énormément de dégâts contre les dinos. Après, le dernier. Celui-ci, le Assault Rifle. Alors celui-là, il est plutôt pas mal. Toujours pareil, vous pouvez tirer du balle par balle pour être bien précis. Ça fait un bruit sympa d'ailleurs. Alors je sais pas si c'est assez précis. Ah, je sais pas si sans scoper c'est assez précis. Bon, je préfère scoper dans le doute quoi. Et l'avantage aussi, c'est que pareil, on peut tirer de très loin avec. Donc on a testé pour vous dire. Donc là par exemple, je peux tirer déjà d'ici sur le Stego, ça y a pas de souci. Mais je pourrais aller carrément sur l'autre rive. Et tirer sur les dinos de loin en fait. Et tirer du balle par balle. Donc déjà le temps qu'ils arrivent, au moins j'aurai le temps. Et en plus je ferai énormément de dégâts. Enfin énormément, ça va quoi, ça fait des bons dégâts comme arme. Donc je vais même tenter de le faire. Ouais. Je vais retraverser pour vous montrer. Au moins on est tranquille sur l'autre rive. Et vous allez voir, voilà, une bonne portée et de bons dégâts quoi. Alors on est en train de charger la maison là-bas. Hop, hop. Et du coup l'avantage c'est qu'on va se faire cette petite découverte d'armes et comme ça juste après je vous dis on va partir en expédition bien comme il faut, on va être bien armé et la prochaine grotte qu'on va faire du coup on sera bien armé aussi puisque on pourra pas la faire avec les tigres à dents de sabre puisque j'ai prévu d'aller sur celle qui est sur une île un petit peu à l'écart de celle où on est donc on pourra pas forcément traverser avec les tigres, on va y aller à deux d'aigle, ce sera un peu plus safe donc ce sera l'occasion d'utiliser les armes là-bas. D'ailleurs ce que j'ai pas montré aussi c'est que j'ai une armure entièrement en flak, regardez, hop, avec le perso. Alors vous avez vu, bon on l'avait déjà vu lors d'un précédent épisode, mais là on la présente vraiment. Et je la trouve mais super stylée, regardez ce skin quoi, cette apparence, c'est vraiment très très classe, surtout le casque j'adore. Et bien sûr ça a des bonnes stats, alors après ça a pas forcément, vous l'avez peut-être remarqué, j'ai pas forcément beaucoup plus de stats avec cette armure là que celle que j'avais avant en chitine. La raison est simple en fait, c'est que, vous le savez, il y a différents niveaux d'armure
et d'armes aussi d'ailleurs, de tous les objets. En fait, il y a différents niveaux. Il y a ceux que vous pouvez crafter directement avec les engrams, et ceux que vous trouvez en blueprint justement dans les airdrops et d'autres choses. Et il y a plein de niveaux en fait dans les airdrops, c'est-à-dire qu'il y a différentes couleurs si vous voulez. Donc voilà, il y a le gris, le vert, le jaune, enfin je sais même plus combien il y en a, mais ça va jusqu'à rouge. Et en gros, il y a des équipements qui deviennent vraiment très très cheatés, ce qui fait que bah, une armure, mettons, basique, peut devenir bien meilleure que la dernière armure du jeu si vous l'avez de couleur, enfin de couleur telle que vous l'avez avec l'engramme, quoi. Donc ça, c'est bon à savoir aussi. Si vous trouvez bah, des bonnes armures ou du bon équipement en blueprint, ça peut vraiment valoir le coup. Toujours bon à savoir. Et c'est vrai que ça aide pas mal, bah, selon le niveau que vous avez aussi, vous pouvez en avoir d'avance. Enfin bon, c'est assez rentable quoi, de trouver des blueprints. Alors, on va chasser. Ouais, il y a pas mal de dinos de l'autre côté. Alors, on va s'attaquer à un stego. Regardez. Allez, on va prendre celui du plus loin. Hop. Une balle. Et vous voyez, je l'ai déjà touché. Vous voyez qu'il revient vers moi. Donc, déjà, niveau portée, ça c'est plutôt bon. Hop. 2 balles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Alors, en gros, il m'a fallu 19 balles pour le tuer, celui-là. Sachant que je pourrais full auto un petit peu, mais j'ai peur que toutes les balles ne touchent pas. Donc, je préfère tirer voilà, par petites balles. Voilà, et l'autre a été tué. Après, l'avantage, c'est que si vous prenez énormément de balles, ça se fait. Sachant que les animaux, normalement, bah, les créatures dans les grottes sont moins résistantes. Au pire, on a toujours de toute manière la lance à côté. Donc, je pense qu'on va faire ça pour la prochaine grotte. Et de toute manière, voilà, il y a l'air d'y avoir une bonne dura quand même. Enfin, ça dure un minimum, on va dire. Un peu plus que le fusil, j'ai l'impression. Et au pire, on peut prendre un petit peu toutes les armes pour être sûr d'avoir ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Alors en fait, je te l'ai ramené parce que je viens de remarquer un truc. Ouais. Ils ont rajouté la marche arrière sur tous les bestiaux. Ah, sérieux? D'accord, mais mec, je t'ai même pas vu. J'étais en train de parler, je regarde d'un côté et tout. Puis d'un coup, tu sais, j'entends grogner. Genre, je me retourne, je me fais, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Genre, tu sais, il est venu me rejoindre pendant la vidéo et tout. Ah, bah bonjour, toi, t'es furtif? Alors, ils auraient rajouté la marche arrière. Oh, c'est énorme ça. Ouais, et surtout, ça, apparemment. Oh là là, ah joli joli. Vraiment ce que j'attendais moi. Ouais, parce que pour vous ça vous paraît peut-être rien, hein, c'est rien pour vous peut-être comme ça, mais la marche arrière, ça manquait. Des fois on se bloquait, c'était un peu chaud de tourner et tout. Bah avec une marche arrière, voilà, c'est cool. Alors comme ça je vous dis, hein, ça paraît rien, mais bon. Bon, les sauts toujours aussi cheatés avec eux. Donc je vous dis, hein, dans tous les cas, on se fera aussi une grotte avec eux. Enfin, on essaiera, parce que la dernière grotte qu'on a essayé, vous l'avez vu, on n'a pas pu aller très loin, parce qu'on était vite bloqué. Mais voilà, le but, c'est d'arriver à se faire au moins une grotte sur les 6 grosses avec eux. Donc on verra, la prochaine, ça va être avec les aigles, et on va y aller avec les armes, de toute façon. On va y aller à 2 decks juste à l'entrée, je pense pas qu'on puisse aller très loin avec. Mais bah, celle juste après, on réessayera, je pense, avec les tigres. Ok, non mais voilà, bon bah, la monture qui arrive, bien stylée. Alors on va essayer de se faire un bronto. Alors par contre, attendez, il est en quoi lui? Est-ce qu'il est en passif? Non, attacking card à target. C'est au neutral, voilà. J'ai l'impression qu'il y a plus de trucs qu'avant aussi sur les dinos quand tu laisses appuyer sur eux. Oui, ils ont rajouté Wandering. Lui aussi, du coup, il a la marche arrière. Ouais. Team item collection. Ok, ouais, il y a pas mal de choses en plus. Attends, et mais lui, oh. Dis-moi un truc, mais toi, t'as pas l'impression quand on recule avec lui que c'est un peu comme si tu rembobinais une cassette, tu sais? Si. Tu sais, c'est genre, on dirait que c'est la marche avant, mais en fait, à l'envers, enfin, c'est pas une marche arrière, tu vois ce que je veux dire? C'est ouais, ouais. Au ralenti, tu sais, t'es en train de reculer, là, tu fais review, tu sais, sur ta vidéo, là. Ah, reviens en arrière. Ah, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, ah non, je suis un peu trop lourd sur lui, c'est pour ça qu'il arrive pas à courir. Ok, et du coup, c'est quoi les nouveaux trucs qu'ils ont rajoutés? Ça sert à quoi? Victime, item, collection. Je sais pas trop ce que c'est, en fait. Je sais pas tout à fait. Alors attends, on va voir sur lui. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, loupé, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Bon, on va bourriner un peu. Ah, il faut moins d'un chargeur quand même pour tuer un bronto. Donc je pense que sur les créatures de la grotte qui sont quand même plus faibles, ça devrait vite les tuer. Parce que je rappelle quand même que les créatures de la grotte, elles font pas mal de dégâts, mais elles prennent vite des dégâts aussi. Donc ouais, bon petit point à savoir. Alors on a quoi d'autre là-bas par hasard? Ah, attends, le Terra là-bas. Alors est-ce que c'est assez précis? Est-ce que je vais être surtout assez précis pour l'avoir? J'ai dû le toucher s'il s'envole. Ah, c'est un peu chaud, il est un peu loin, alors attendez. On va y aller. Oh non, il a disparu. Alors ça c'est parce que j'ai une distance d'affichage qui est pas assez lointaine. Et du coup il a carrément disparu de mon écran le mec. Ah, là il est revenu. Ah, c'est stylé. Et je te dis, le fusil de base, franchement, ça fait tellement chasseur. Et je l'ai eu. Et je l'ai eu. Ah, c'est tellement nickel ça aussi. C'est vrai que ce fusil est pas mal quand même aussi. Hein. Hop. Alors le temps qu'il arrive le mec, ça devrait aller. Quoi qu'ils sont deux à venir vers moi, j'ai vu. Ah, il faut quand même que 3 balles hein, de ça aussi. C'est vrai que c'est quand même abusé ce fusil aussi. Hein. Par contre j'ai perdu l'autre. Hein. Il y a un autre tri qui me venait dessus normalement, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Eh oh. Ah, je le vois. Après, il y a une personne aussi qui mettait en commentaire que les tris, par exemple, il valait mieux éviter de les tirer directement dans la face avant, là, attends, tout ce qui est corne et tout, parce que, bah, bien sûr, ça faisait moins de dégâts. Ça paraîtrait logique, maintenant, c'est vrai qu'on n'a pas testé, donc je sais même pas si vraiment il y a une hitbox, en fait, dessus. Je suis pas certain. Ce serait à tester, mais d'un autre côté, le truc, c'est que c'est facile à dire. Mais c'est pas facile à faire parce que quand vous tirez dessus et qu'il vous charge, bah vous voyez pas autre chose que sa tête en fait. Donc ça c'est aussi un point qu'il faut voir. C'est pas forcément évident quoi. Attendez, maintenant qu'il commence à faire sombre, on va peut-être pouvoir tester un petit peu le pistolet aussi. Bon après c'est du brouillard donc c'est pas forcément la nuit non plus. Mais vous allez voir la torche avec le pistolet, on y voit vraiment pas mal aussi. La flashlight. Hop. Alors c'est pas mal aussi pour XP, hein. Je sais pas si vous avez remarqué mais j'ai commencé à prendre pas mal d'XP là. Alors il y a une touche pour allumer, vous voyez je peux allumer et éteindre, donc là on le voit pas trop, je vais aller me mettre là-dedans. Ouais, vu que c'est pas la nuit mais que c'est le brouillard, on risque d'y voir moyen quand même. Regardez. Attends, c'est quoi ce bruit? Ah c'est lui juste. Vous voyez, hop, je peux allumer, éteindre. Et là quand on allume du coup c'est pas mal fait, donc là on voit pas forcément énormément, c'est le brouillard. Mais la nuit c'est pas mal quoi. Et à l'inverse, d'ailleurs je vais essayer de montrer, alors un coin sombre ici. Vous voyez ici ce que ça éclaire à peu près? C'est plutôt pas mal le pistolet. Et je sais pas pourquoi, mais le fusil, quand on éclaire, regardez, ça éclaire mais quasiment rien. Donc c'est vraiment pas terrible. Ça me fait un peu flipper tous ces bruits. Non, ça va. J'ai peur qu'il y ait un Carnot ou quoi qui passe par là. Bon, pire, ça devrait le faire. Du coup, voilà. Voilà, on a à peu près fait le tour. Ouais, à peu près. À peu près. De toute façon, on va être bientôt bon pour l'expédition, pour partir. Amino. Oui. Donc, ouais, je vais commencer à retraverser. Alors, il me semble que je voulais montrer un autre truc. Je sais plus ce que c'est. Non, c'est bon. Si je vais quand même réussir de faire un kill avec le pistol, genre sur un stego. Hop. Alors, hop. Voilà, vous voyez qu'avec la dernière armure, de toute façon, contre le stego, il ne fait pas énormément de dégâts. Bon, faut savoir que là, j'ai la dernière armure en flaque, bien sûr, mais elle n'est pas évoluée, quoi. Elle n'a pas un super niveau, c'est pas... Vous voyez, elle n'est pas aussi évoluée que la dernière armure qu'on avait, donc finalement, c'est à peu près équivalent, quoi. Non, il est gentil, lui. Et ça l'a vite tué, en fait, à lui, hein. Même au pistolet, je trouve qu'il est vite mort, lui.
Il est vite mort. Alors peut-être qu'il y aurait une hitbox parce que j'ai tiré pas mal dans la tête sur celui-là. Je sais pas du tout, honnêtement. Et puis c'est vrai que c'est dur à vérifier parce qu'il faudra un dino qui ne bouge pas. Et qu'on tire en fait vraiment dans la tête ou qu'on tire vraiment dans le corps pour vérifier en fait. Sachant que certains, justement, comme le tri, on se dit que dans la tête ce serait pas terrible non plus, mais bon. Donc c'est pas évident à savoir. Bon, à voir. À voir, à voir. Alors c'est vrai qu'on l'aurait pu. Oh! Il a une marche arrière lui aussi? Tu sais, de loin, ce que ça me fait penser, on dirait limite les concours de CSO et tout ça, enfin de dressage et tout, c'est des chevaux, tu sais, genre vas-y, je le fais marcher à reculant et tout ça, quoi. Regarde-moi ça, quoi. Attends, on monte à deux là-dessus? Vas-y. Non, je crois pas. Hein. Si, 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 faut que tu me laisses l'accès à la selle. Et voilà. Maintenant, je te relaisse. Ah attends. En fait, je vois pas où. C'est dur sur lui. Ah oui, sur lui, ça va être dur là, va le faire. Ah, derrière peut-être? Non, attends. Parce que là, de la crête, je vais tomber. Devant? D'accord. Ah, non, c'est trop chaud sur lui. Non, je m'étais dit que ça allait être nickel pour rentrer, tu vois, mais. Si, ici. Vas-y. Et voilà! Pas besoin de selle pour monter à plusieurs. Et l'avantage, c'est que sur une selle, vous pouvez pas tirer. Alors que moi, regardez, je suis tombé, mais sinon j'aurais pu tirer. Attends, vas-y, attends, l'attaque pas lui. Bon, bah attaque-le. Pourquoi? Bah finis-le. Je vais tester un truc. Faut de la viande pour l'expédition. Ah oui, ça c'est pas faux. Rien, attends, laisse-moi remonter. Laisse-moi le. Non, non, l'attaque pas! Aïe! Faut de la viande! Oui, mais attends, je veux juste tester un truc. En fait, je veux monter dessus, je veux l'attaquer et je veux voir si le dino m'attaque. Enfin, attaque l'autre dino ou pas. S'il attaque le spino sur lequel on est ou pas. Parce que vu qu'on est au-dessus, tu vois ce que je veux dire? S'il a pas la portée, je sais pas comment ça va faire. Bah attends, parce que du coup, t'as énervé l'autre aussi. Ouf, et ça. Alors vas-y, laisse-moi l'accès. Parce que je pense que tu vas tirer sur le nôtre en faisant ça. Hein. Non, 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 t'inquiète. What? Ok. Alors, genre là-bas, si je tire sur le stego. Voilà, je vais tirer dessus. Alors, est-ce qu'il va venir nous attaquer? Vas-y, mais toi, tu peux te remettre dans la selle si tu veux. Faut juste pas que je tombe par contre. Ouais, ne bouge pas du coup. En tout cas, c'est stylé parce que sur les dinos, s'il. Non, il attaque pas du coup, c'est bugué parce que je suis au-dessus. Du coup, je pense qu'il doit pas savoir comment m'attaquer. Du coup, il rentre dans le dino et il bug. Ou alors il attaque. Bon, bah il attaque. Bon, bah vas-y. Tu peux te faire plaisir, tu peux ramasser la viande. Non mais par contre sur les dinos, bah justement style de stego. Genre sur le stego on peut y monter genre à 2 ou 3 assez facilement puisqu'il y a beaucoup plus de place. Donc l'avantage c'est que si on se met à plusieurs dessus, il y en a bah, un qui conduit et tous les autres en fait qui peuvent tirer. Et ça c'est un bon avantage, que ce soit en PvE ou en PvP, ça peut être très utile. Ça c'est les petites astuces. Bon sur ce on va clore cet épisode spécial spécial arme à feu. Et on se retrouve très bientôt de toute manière pour l'expédition à dos d'aigle et pour la prochaine grotte. Donc je vous dis à très bientôt les amis.